Bienvenue dans votre source d'infos sur la métropole grenobloise. Ses missions, ses priorités, son actu, c'est ici. Et une collectivité n'est pas qu'une institution. Les élus représentent des citoyens, mais ces citoyens sont parfois appelés directement à prendre part à la réflexion et donc d'aide à la décision. Et c'est une démarche inédite. Grenoble-Alpes-Métropole va tirer au sort 150 citoyens qui vont se réunir pour répondre à deux questions. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre et comment tendre à la neutralité carbone d'ici à 2050. Une initiative qui se veut proche des préoccupations des citoyens et de leur réalité et qui veut rendre acteurs ces citoyens le plus possible dans cette transition. Il s'agit donc d'une convention qui sera composée de 150 citoyens tirés au sort et qui discuteront sur 5 week-ends de toutes les questions qui pourront conduire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la métro. La métropole a, depuis 2015, acquis de nombreuses compétences et la plupart des compétences de la métropole sont étroitement liées à la question climatique. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance métropolitaine, de citoyenneté métropolitaine. Et il nous paraissait important, sur ces questions, que les citoyens métropolitains puissent ensemble réfléchir et décider, en relation avec les élus, peut-être depuis la première fois, depuis l'histoire, la création de notre métropole, puissent décider ensemble des grandes orientations structurantes pour les années qui viennent. Le comité opérationnel donc, que je co-préside aura pour objectif non seulement d'assurer le bon déroulement et l'indépendance des discussions qui auront lieu au sein de la convention, indépendance par rapport aux responsables politiques notamment. Une fois que la convention aura rendu ses recommandations, nous veillerons aussi à ce que ces recommandations soient suivies d'effets, soient mises en œuvre par la métro sous une forme ou sous une autre. Et c'est ce samedi qu'officiellement Grenoble est capitale verte européenne. On reviendra la semaine prochaine sur ce lancement de cette année dédiée à la transition environnementale et sociale. Pour libérer les grands axes de leurs bouchons et désengorger le rondeau et l'A 480, les travaux accélèrent. Au niveau du pont de Catane, la métropole remplace l'ensemble des appareils d'appui d'une pile du pont. Il faut donc sécuriser et libérer le secteur. Les deux bretelles ferment depuis cette semaine et jusqu'au 14 mars, de jour comme de nuit. Et pour tout savoir sur ces travaux au jour le jour et anticiper vos déplacements, le site a480rondeau.fr vous dit tout en temps réel. Et puis on retrouve des travaux chaque année à la même heure. Et pour cause, un transport par câble nécessite une maintenance très minutieuse. Alors la perle touristique de Grenoble et de la métropole, le téléphérique, reste en gare pour son check-up annuel. Éléonore Pointeau. Les bulles de Grenoble sont à l'arrêt, c'est une tradition chaque année depuis 87 ans. Des contrôles de maintenance sont réalisés pour veiller à la sécurité des 280 000 visiteurs annuels. Une pause bien méritée pour cette icône grenobloise qui tourne 176 000 heures par an. Alors, au niveau du contrôle et de la maintenance du téléphérique, c'est très réglementé et suivi par l'organisme de l'État, le STRMTG. Et nous avons dans nos procédures chaque organe répertorié avec son entretien périodique d'inscrit. On ne va pas entretenir aussi fréquemment le câble tracteur que les freins, par exemple, que le moteur. Voilà. Suivant le défaut qu'on va rencontrer, il y a même une impossibilité à pouvoir continuer d'exploiter. Vieux de 19 ans, les 1400 mètres de câble tracteur n'échappent pas non plus à la règle. Et pour que le contrôle soit possible, sa vitesse a été réduite à 1,5 mètre par seconde. Alors le câble tracteur est un câble acier composé de 6 torons qui est composé de différents fils. Et par rapport à sa composition, sa section métallique, il y a des critères de réparation lorsqu'il y a une perte plus ou moins importante en fonction du diamètre, enfin de cette section métallique et de sa composition. Le contrôle annuel du câble tracteur, il se fait par par magnétographie avec l'appareil et en plus il y a un contrôle visuel, c'est long aussi. Il y a forcément un peu d'usure, le fait de son allongement, le fait de son passage en poulie et des différents passages en ligne, mais après ça reste dans des critères raisonnables. Ce trait d'union entre le centre-ville et la Bastille a été inauguré en 1934. Ses contrôles de maintenance coûtent cette année près de 36 000 euros.
Et les bulles pourront pétiller au-dessus de l'Isère à partir du 5 février prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bon week-end.